Alors actuellement, je suis une formation qui prépare au métier de développeur foncier au CFA Next City. Ça nécessite pas mal de compétences. Il faut être persévérante, il faut être curieux. Ça demande aussi de l'inventivité, une certaine technicité et une connaissance du terrain. Et je pense que surtout, il faut aimer ce qu'on fait. On supervise l'intégralité du projet immobilier en termes juridiques, financiers, techniques ou sociaux. Cette formation s'ouvre à tout le monde. Peu importe votre situation, vous avez la possibilité et la chance de venir bosser chez Next City. Pour moi, la formation, elle avait un atout principal, c'est qu'on pouvait tout de suite commencer puisque le CFA est intégré à l'entreprise et donc on a tout de suite les cours et le travail d'entreprise qui démarre dès la première semaine. Également, notre atout, c'est que les intervenants au CFA sont des professionnels qui travaillent au sein de Next City. J'ai trouvé très bien pour une grande entreprise, c'est qu'il y a une proximité et des valeurs qui sont très humaines au sein de chez Next City. On est considéré comme un collaborateur à part entière. Rester au sein de chez Next City, obtenir un CDI et évoluer. Après cette formation, j'aimerais bien ouvrir ma propre société et donc me lancer dans le monde de l'immobilier. Donc après la formation, mon but c'est d'avoir un CDI en tant que développeur foncier et chez Next City, bien sûr. J'aimerais beaucoup pouvoir développer des projets qui soient ambitieux, qui soient créatifs, qui soient innovants. Comment on va vivre demain dans la ville et comment est-ce que je peux participer à être acteur de cette réflexion-là.